Le Congo et l'Ouganda partagent la tête de leur groupe après avoir réussi respectivement leur entrée en matière. Les Diables Rouges l'ont emporté 2-1 face aux Bright Stars du Soudan du Sud qui participent à la compétition pour la toute première fois de leur histoire. Deo Gracia Basinga a ouvert le score à la 45e minute et Prince Hardy Soussou Ilendo a donné plus d'ampleur en doublant la mise sur pénalty à la 63e minute. Quelques minutes plus tard, Paul America Jawamara du Soudan du Sud a réduit le score à la 83e minute. Peu avant cette rencontre, l'Ouganda a eu raison de la République centrafricaine sur ce score identique. Isma Mugulusi et John Paul Dembe ont respectivement inscrit les buts des crânes à la 47e et la 74e minute avant que Boris Benou ne réduise le score à la 95e minute. Les deux scores montrent à quel point le match de jeudi sera très décisif pour le Congo et l'Ouganda. En cas de victoire, le Congo prendra seul la tête du groupe B et validera son ticket pour disputer les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations avant même d'affronter les Fauves du Bas Ubangi le 26 février. Le partage des points ne sera pas mauvais pour espérer figurer parmi les 8 qualifiés.